Et si je vous disais que j'étais caché dans le décor? Bon, faut que j'arrête avec cette blague. Je suis là. Hey! Salut, ça va ou quoi? Bon, le fond vert, il me saoule un peu, hein? Il me saoule un peu parce que ça a déconné. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, voilà, je tenais à faire cette intro parce que j'ai eu un petit problème de caméra. C'est-à-dire que ma vidéo s'est lancée, l'enregistrement s'est lancé, dans mon retour vidéo, j'avais ma tête, et à l'exportation, j'avais plus ma tête. À croire que je suis invisible, tu vois, ça y est, c'est fini, hop, hop, mode capote, activé. Non, plus sérieusement, j'ai pas compris ce qui s'était passé, donc du coup, j'ai eu un bug, donc on me voit pas. Donc c'était pour vous dire que dans cette vidéo, vous allez pas voir ma gueule, hein. De toute façon, vous la voyez déjà trop en ce moment, donc hein, ça réduit un peu le quota. Donc voilà, donc les potes, si la vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez bien sûr de ce jeu. C'était Petite Rag, bon visionnage. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo découverte. On va découvrir Free Fire. Bon, je sais pas trop le prononcer, hein. Free Fire, Free Fry. C'est un battle royale de type PUBG. On va pas se le cacher, c'est pas une qualité PUBG. Mais c'est un jeu mobile qui mérite d'être présenté car pour moi, il peut être facilement jouable parce qu'il n'est pas très lourd. Contrairement à PUBG, ce jeu est beaucoup moins volumineux sur votre téléphone. Et donc pour moi, bah voilà, on peut y jouer plus facilement. C'est pour cela que je vous le présente en vidéo. Donc les amis, si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez bien sûr. Petite parenthèse avant que la vidéo commence, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Instagram et un TikTok, hein. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces différents réseaux. Et puis voilà quoi. Donc je vous présente rapidement l'interface. Alors c'est comme énormément de jeux de Battle Royale. À gauche vous avez tout ce qui va être boutique, lucroyable, bon ça je sais pas ce que c'est, caractère, armoire, animaux, collection, voilà. Ça c'est tout ce qui peut vous rendre le jeu physiquement, visuellement plus beau. C'est-à-dire que c'est juste esthétique mais rien ne va vous apporter la victoire. Donc ne vous attendez pas hein, à mettre 100 euros pour ensuite faire des top 1. Ça ne marchera pas, ça sera juste pour vos petits yeux. Donc les amis, on perd pas de temps et on part directement en game. C'est parti, let's go. Ok, donc nous voilà dans le lobby. Hey, il y en a beaucoup qui ont cette tête là. Oh là là, oh là là. Ah ouais, il y a des skins là, il y a du skin là. Là, il y a du... Non, j'ai vu qu'il y avait des skins très 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 sympatoches. Alors je sais pas si dans ce lobby là, il va y en avoir. Ouais, pourquoi pas, hein. Style écossais, moi je dis pas non. Hein. Entre le marin, l'écossais et puis. Elle. On va pas s'en sortir. Hein. Ok, donc nous voilà directement dans le zinc. Alors, en haut à gauche, vous avez la carte. Contrairement à PUBG où la carte est en haut à droite, cette fois-ci elle est en haut à gauche. Petit point négatif, faut vraiment nous chercher. Donc là, on sait qu'on est en bas à gauche actuellement. On passe au-dessus du hangar. Moi je vais aller spawn. Voilà, on va aller à Clock Tower. Si j'y arrive, bien sûr. Donc voilà, contrairement à d'autres Battle Royale, vous sautez avec un snow. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous sautez avec un snow. Allez, on déploie le parachute. Bien sûr, un coup en scène game. Je vais vous dire les points négatifs et positifs de ce jeu. Voilà. Déjà, petit point positif comme négatif. Pour moi, c'est un peu positif. Dans le lobby, on est 50. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de joueurs et c'est à dire que les games sont très rapides. Deuxième point positif, j'ai découvert ça tout à l'heure, c'est que vous pouvez activer les barils comme ça. Bon alors celui-là je sais pas. Ah si, celui-là faut tirer dessus je crois. Et ça explose si je ne me trompe pas. Ok, donc ça explose bien. Alors ça explose bien sûr si vous avez un ennemi à côté hein, vous tirez dedans et votre ennemi il fait piou. Il prend feu hein, telle une allumette. Ah ça tire par là-bas. Oh, où es-tu mon coquin? Où es-tu? M'attends-tu? Me vois-tu? Alors ça a tiré par ici. Je sais pas d'où ça venait. Si, si, ça vient toujours d'au-dessus. Et qui est-ce qui tire? Ah, ça tire là-bas. Ok, bon, il s'est fait tuer. Ok, premier kill de la vidéo. Alright, let's go. Il y en a un deuxième là. Deuxième kill. Alright, let's go. Alors, bien sûr, un système de loot comme énormément de Battle Royale. Putain, mais ça tire encore. Ouf. Ouf, celui-là était rapide. Oulala, celui-là était rapide. Donc voilà, vous pouvez loot. Contrairement à PUBG, hein, je cite énormément PUBG parce que je vais le comparer à ce jeu. Vous pouvez pas loot le skin des autres joueurs. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a un skin que vous kiffez, bah vous pourrez pas le prendre malheureusement. C'est triste, mais voilà. Alors, là-bas il y a un kit, je vais les ramasser ici d'abord. Et après je vais aller prendre le kit de soin. Dans ce loot, il y a quoi?
Il n'y a rien. Je vais aller là-bas. Pour l'instant, il n'y a pas encore de zone d'affichée. Et on est déjà 30 dans le lobby. Dans la game plutôt. Il y en a un autre là-bas. Ça, ça fait mal ça. Ouh là là, ça fait mal ça. Ça, c'est. Allez, on va se mettre à accélérer. La petite batte de baseball qui fait zizir. S'il y a un autre cadavre, on va le ramasser également. Ok, il n'y a rien d'intéressant dedans. On va speeder. Passons un peu au niveau graphisme du jeu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est un petit peu un point négatif pour moi, les portes. Parce que pour moi, les portes, c'est un peu technique et tactique quand vous êtes en game. C'est-à-dire que vous pouvez courir, fermer la porte, attendre que l'autre ouvre la porte et le. Bombardé! Mais bon, là c'est pas le cas. Il y a très peu de texture au niveau des bâtiments. Voilà, c'est une texture très simple. Ouh, je viens de me prendre une balle. Ouh, c'est qui m'a envoyé un message là? Puis il arrive. Ok, let's go! Donc je dis voilà, au niveau graphisme, c'est pas tip top, c'est bien, c'est déjà énormément bien, ça me rappelle certains jeux Battle Royale dont j'ai oublié le nom, auquel j'y jouais il y a quoi, un an ou deux, le début, donc ça se trouve Free Fire, bien sûr, ils vont s'améliorer niveau graphisme, hein. Et ça j'espère bien. Niveau des véhicules, bien sûr, voilà, c'est du classique, hein. Je vais finir un peu mon loot par ici. Ah, je suis parti trop loin. Ok, j'ai les pare-balles parfaits. On va remplacer. Et parfait. Là, loin. On va recharger. Ok, on recharge. Parfait. Oh. Il y en a un qui veut encore m'affronter ou quoi là? Ouh. Paf. Oh, parfait, en plus il a du loot lui. Allez, on ramasse tout. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur ce jeu? Bon, à gauche là, vous avez. Votre sac, vous avez tout ce que vous avez besoin ou pas besoin. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, vous prenez, vous le dégagez. Bien sûr, si vous jouez en coop avec des potes, vous pouvez leur passer du loot. Alors, on va reprendre le 4x4. Ah bah, c'est sûr que si je mets en mode passager, ça va pas le faire. A chaque fois que je passe sous ce tunnel-là, ça me rappelle The Sang. Le tunnel dans The Sang, là où il y a les démons. Truc de ouf. Alors, on va aller à l'usine là-haut. Bon, bien sûr, là, il y a un baril explosif, hein. J'aimerais bien vous présenter un baril qui fait de la fumée. C'est pareil, mais pas en rouge. Il doit être gris ou marron, je me rappelle plus trop. Faut essayer d'en trouver un. Ah, là, il y a un casque qui pourrait peut-être m'intéresser. Non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, mais je vais le changer. On sait jamais. Allez, non. Oh, 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 oh. Oh. Oh, toi, je vais pas te laisser en vie, toi. Oh, toi, je vais pas te laisser en vie. Où est-ce que t'es, là? Ah, qui Ah, t'es là. Hey, speed! Speed, let's go! Pas te laisser partir, quand même. Bien sûr que j'allais pas te laisser partir. T'as cru quoi? T'as cru quoi, Maurice? Par contre, on voit la zone qui rétrécit derrière moi. J'ai la zone au huc. Bah ouais, Maurice. Dunk, je me casse. Oh, alors toi. Hop là. Oula! Ouh là là, il a fait un vol plané. Ah putain, il y en a un autre là. Ouh. C'est là-bas. Allez, allez. Non, non, je vais pas te laisser. Je vais pas te laisser en vie, mon pote. Ça tire dans tous les sens là. Pas possible.
Parfait. Donc déjà toi t'es mort. Parfait. Aïe, je prends des dégâts. Il est là-haut. Je mets ma couvert, Je mets mon heal. Ah, il est là-bas, Ouh, par contre, j'ai plus beaucoup de munitions là. Ouh, là-bas, vous le voyez celui-là là ? Toi, je t'ai pas laissé la vie sauve. Hein. Ah, il est là-haut. Ah, je suis trop court. Prendre celle-ci. Ok, 12. 18. 12, 18. Ok, parfait. Munition, heal. Bon, allez, on va essayer d'aller au drop. Les signes jaunes, ça veut dire qu'il y a un drop. Et là, du coup, il y en a deux. Moi, j'essaie d'aller au plus proche. Et généralement, hein, ce qui se trouve dans le drop, croyez-moi, c'est ce qui vous donne le top 1. N'est-ce pas, je prends une bonne balle perdue. Ça me ferait mal au cœur. Qu'est-ce que j'aurais d'intéressant? Ok, bah, j'ai rien dit, hein. Allez. Oh, heureusement qu'il s'est pas visé lui hein. Je suis pas au fou, la foufou avec ma position. Je suis trop à découvert. Ah, j'en ai vu un là. J'en ai vu un courir. Je suis mis 13, ok. Je recharge au cas où. 14. Allez, top 3. Ok, top 2. Let's go! La petite guitare électrique derrière pour vous signaler que vous avez fait le top 1! Ok, donc j'ai fait un total de 14 kills et j'ai fait 1931 de dégâts. Donc ça me rapporte 139, bah ça m'a des monnaies de la monnaie, et 468 XP. Est-ce que je vais passer niveau 5? Attention, roulement de tambour. Et bien sûr, je passe niveau 5, let's go! Bon les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai décidé de faire l'outro également, parce que, fallait bien voir ma tête quand même à bout d'un moment, quoi, je savais que j'allais vous manquer, donc au moins me voir au début et à la fin, tu vois. Donc bien sûr, si les potes, cette vidéo et ce top 1 vous a plu, surtout, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, le pouce bleu, je compte sur vous, vous pouvez m'exploser cette barre, et ça, je sais, vous pouvez le faire. Bien sûr, en commentaire, n'hésitez également surtout pas à me proposer des jeux, je suis ouvert à tout. Non, que au jeu, hein, que au jeu. Mobile. Dites-moi si vous voulez que je continue avec le fond vert ou si je reprends comme ça avec la facecam avec mon décor. Bien sûr que la caméra là elle est mal placée, hein. C'est parce que j'ai le fond vert. Mais dites-moi si vous préférez le fond vert ou voir ma gueule avec le décor. Mais moi pour le moment, j'aime bien le fond vert. Voilà. Enfin voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag, allez, wouh! Bye bye!